L'important au départ, c'est de bien garder la planche collée à l'eau. Et tout doucement, on va venir appuyer un petit peu sur la jambe arrière pour faire lever le foil. Je me suis fait des vagues à l'infini un peu. Allez, c'est parti sur celle-là. Le jive ici. Pour tendre mes lignes, un petit double loop. On revient face à l'épaule et on tape. Alors on voit que ça continue, deuxième double loop. Je reviens face à ma vague et je tape. Ah cool, super vague sympa, vachement facile à surfer. Yep. Et on ressort tranquillou de la vague. Allez, on va aller se placer au pic. Hop, petite vague. Fais un petit jump. Wouh! Ce qui est bien dans le windsurf, c'est la possibilité de sauter à l'aller et de surfer au retour. Je rentre pas, je suis avec une 8 pieds, je fais 85 kg. J'ai la rame d'un jeune homme de 21 ans. En autonomie, on a une bonne heure de surf en maxi. C'est parti! Le moteur s'est coupé dans la vague, car la vague est assez puissante. Hop, je me lève, je peux marcher, remarcher, revenir dans la vague. Ouh. Je descends. Hop, et on revient. Allez, c'est parti. Ça glisse, petit 3-6, marche arrière, voilà, tranquille. Faire ça longtemps. Là on se place, petit virage. Oh là, il y en a une belle qui arrive. Je vais peut-être me la prendre dessus. Ça, c'est le sport que j'adore. Cette sensation de liberté, de flotter au-dessus de l'eau, d'avoir cet océan, ce magnifique